Ce que je m'apprête à te partager dans cette vidéo, tu vas vraiment trouver ça bizarre. Pourquoi? Mais figure-toi qu'il y a deux jours, il y a un ami ici au Sénégal qui est Sénégalais. Il me contacte, il me dit que Justin, je suis à la recherche d'un comptable. Je dis d'accord, quel est le profil? Il me dit que de préférence un Ivoirien, un Béninois, un Tchadien, un Camerounais, mais pas un Sénégalais. Je dis ok, d'accord. Mais là, ça me fait remonter dans mes souvenirs parce que l'année dernière, j'ai une dame, elle est camerounaise, elle vit dans la diaspora. Elle me contacte pour à peu près les mêmes sujets. Elle me dit que Justin, j'ai un projet sur Douala et je cherche à recruter des ouvriers. Mais je ne veux pas de Camerounais. Si tu peux me trouver des Sénégalais ou bien tu peux me trouver des Ivoiriens, ainsi de suite, des Tchadiens, mais pas des Camerounais. Et c'est là que j'ai compris pourquoi en 2015, il y a un opérateur économique qui est venu au Sénégal dans le but de recruter ses ouvriers sénégalais au Sénégal et ses critères également qu'il ne voulait pas d'Ivoiriens dans son effectif. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis entrepreneur et je suis également investisseur. Sur cette chaîne, je parle souvent de business, de stratégie de business, je parle d'intelligence économique, je parle également de géopolitique et ainsi de suite. En tout cas, vous avez compris tout ce qui est pour le développement de l'Afrique. Mon nouveau business, notre nouveau business que nous avons lancé la semaine dernière, c'est la location de voitures, la location de villas et la location d'appartements meublés. Villas aussi meublés. Donc, les ventes de terrain, vous savez déjà qu'on est dedans depuis longtemps. Donc, on a déjà réussi plusieurs opérations de vente de terrain. Mais là, on est allé maintenant sur du meublé. D'ailleurs, j'avais annoncé ici, ça faisait partie des idées de business que j'avais dit ici, que c'était des business qui sont rentables et également les business de transport, location de voitures, ainsi de suite, Yango. Je n'avais parlé également ici. Effectivement, nous nous sommes déjà lancé et nous sommes à plein pied dedans. Donc prochainement, si vous avez un projet de venir au Sénégal, n'hésitez pas, contactez-nous, on mettra à votre disposition soit appartement ou villa, voiture pour tout ce qui est tourisme, ainsi de suite, si vous voulez également qu'on vous accompagne dans tout ce qui est business. Donc ça va être typiquement des démarches administratives, comment les choses se passent vraiment de façon locale pour vous accompagner. Vous également, si vous voulez investir au Sénégal, on se met également à votre disposition. Je ferme cette parenthèse et je reviens au sujet principal de cette vidéo. Dans le sujet principal de cette vidéo, j'étais en train de vous dire qu'il y a cette chose-là que si vous ne comprenez pas dans le business en Afrique, vous allez capoter votre business en Afrique. Ça s'appelle le recrutement. Le recrutement en Afrique, ça c'est totalement différent des recrutements que vous avez comme ça. Je vous prends un exemple. En 2012, j'étais étudiant première année d'études, donc je venais de commencer comme ça à l'école d'architecture et on nous avait fait partir en stage dans des entreprises de construction. Et moi, on m'avait mis sur un chantier. Un matin, il y a un monsieur qui descend et il commence à gronder, il crie sur tout le monde. Le gars, il a en 10 minutes, il a fait trembler le chantier, il est parti. Après qu'il est parti, j'ai demandé maintenant à mon maître de stage, M. Diallo, je lui ai demandé, il dit que non, Justin, lui, c'est le boss. Et c'est un Libanais. Il me dit que les Libanais, ils sont très rigoureux. Ce que j'ai oublié de vous dire, son fils était sur le chantier, mais son fils était celui qui l'a le plus chambré. Son fils était celui qui avait même la sueur. Il a dit que le gars, en matière de rigueur, la rigueur, j'ai connu plusieurs boss, j'ai travaillé avec plusieurs boss, mais il fait partie des top 3 des boss les plus rigoureux. Elle dit que le gars, il est comme ça. Droit. Il vient dire, toi, là, si le gars, il te parle jusqu'à... Il dit que si tu reprends ça, demain, je te vois plus sur mon chantier. Il se retourne comme ça, les erreurs comme ça, là, je t'ai dit ça. Aujourd'hui encore, tu as refait la même chose. Demain, si je viens, il dit que... Il dit, nom de Dieu, si je viens, que je te vois plus sur mon chantier, je te coupe le chantier. Le gars, il a crié... je vous dis, il a fait trembler le chantier. Et c'est une première expérience que je ne peux pas oublier. La rigueur de ces messieurs. Tout le monde en parle. Mais quand on a fini, il faut voir l'immeuble. Très beau. Finition. Parce que sa rigueur de travail. C'était une petite société en 2012. Mais aujourd'hui, si je vous disais le nom de cette société, pour ceux qui sont à Dakar, vous allez reconnaître de quelle société il s'agit. C'est la rigueur. En Afrique, c'est vraiment ça.
Et moi, pour ceux qui savent, tout récemment, quand j'ai annoncé, parce que le recrutement même de mes chauffeurs, tout ça là, j'ai lancé sur la page Vivre et Réussir en Afrique, la page Facebook de Vivre et Réussir en Afrique, que je recrutais des chauffeurs avec des salaires, j'avais mis des profils ainsi de suite. Mais avant de lancer ces recrutements, j'étais allé voir un autre monsieur qui a une grosse société de transport à Dakar. Il a plus de 60 voitures avec une vingtaine de motos, ainsi de suite. Je suis allé le voir, je lui ai posé. Bon, je suis allé le voir, mais du genre, je le connaissais pas. Donc, je suis allé déposer, demander des rencontres, ainsi de suite. Il m'a tourné pendant 3 semaines comme ça. Il a accepté de me rencontrer et je lui ai vraiment dit dans le motif, c'était vraiment pour des conseils. Et je lui ai donné quelques pages de mes pages. Donc, il allait voir. Il dit que non, que je peux recevoir ce jeune homme-là. Je suis venu, on a discuté. Je lui ai dit concrètement que je veux faire la même chose que toi. Mais je ne sais pas par où passer. Et il s'est mis à m'expliquer. Il dit que Justin, dans le business de transport, l'élément le plus important, c'est les humains. Et c'est comme dans n'importe quel business. Mais c'est là encore... ou à un autre niveau, au niveau du transport, que ce soit moto, ou bien que ce soit même voiture, ou bien partout, tout ce qui est transport, c'est les hommes que tu vas leur confier le business. Il dit que Justin, ne t'amuse pas avec la rigueur. Sois rigoureux. Il dit que sois droit avec les gens. Il m'a donné des fiches, ainsi de suite. Vraiment, il s'est ouvert à moi. Voilà pourquoi, quand j'ai lancé le recrutement ici, les gens qui étaient passés me voir, entre le Justin qu'il voyait ici et le Justin au recrutement, au Justin dans les procédures de recrutement, la rigueur que j'ai imposée, mais ça a surpris beaucoup de personnes. Dit, mais Justin, dans les vidéos, tu ris souvent. Je dis que non, mais en business, on est en business. Parce que si vous ne faites pas comme ça, ça c'est une mentalité que j'ai compris avec le temps qu'en Afrique, un Africain, il y a toujours ce niveau de hiérarchie-là. Quand tu commences à ne pas être sérieux au boulot, les ouvriers vont commencer à te prendre comme pour leur ami. Non, c'est la rigueur. Ça, c'est une des choses que j'ai compris, que les grands, ceux qui restaient, ils sont rigoureux dans le travail. Un de mes boss également, mon mentor, je dis son nom souvent ici, lui également, c'est quelque chose que j'ai appris de lui. Vous pouvez vous amuser comme ça, venir chez lui, vraiment devant sa piscine, il peut te raconter même des blagues. Dès que vous arrivez au bureau pour le travail, vous pouvez passer 8 heures de temps de travail d'affilée sans parler d'autre chose. Travail, 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 travail. Et ça, c'est ce qui manque à l'Afrique. J'aimerais attirer votre attention pour les business que vous voulez faire en Afrique. Si vous voulez, vous avez des idées de business ou bien vous avez des business, la rigueur, sans la rigueur dans le travail. Et ça, c'est ce qui manque à l'Afrique en fait. Le recrutement, les gens avec qui tu veux travailler, voilà pourquoi beaucoup évitent même, par mesure de précaution, veulent même pas recruter des gens de même pays que eux. Ils veulent recruter des gens qui viennent de notre pays uniquement pour le travail. Pas parce qu'ils ont... Et c'est la même chose avec les Africains. Moi, j'ai vu le travail, j'ai vu des gens à Dubaï qui enchaînaient 2-3 boulots. J'ai vu également des personnes dans d'autres pays, en Italie, qui enchaînaient plusieurs boulots. Et d'ailleurs, c'est connu des Africains qui vivent de l'autre côté. Ils savent que lorsqu'ils sont là-bas, c'est uniquement pour le travail. Ton patron dubaïote, là, lui, tes beaux yeux, ça ne l'intéresse pas, c'est son travail. C'est son travail. Les Libanais, ils ne sont pas amis de quelqu'un, c'est le travail qui vous a lié. Malheureusement, quand c'est entre nous, Sénégalais, entre nous, Ivoiriens, entre nous, Tchadiens, bon, on commence à faire ami, pote, ainsi de suite. Le gars, il dit compatriote, mon compatriote, et puis après, ça devient autre chose. Les amis, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment se lancer dans le business, j'organise la semaine prochaine une session de formation sur une semaine. Ça va être 4 jours de formation sur le business. Comment réussir en business? Comment réussir en business? C'est 4 jours de formation intensive. Je vais vous donner mes meilleurs conseils dans l'entrepreneuriat. Mes meilleurs conseils avec les meilleurs outils que j'utilise pour réussir mon business. Je ne prendrai que 10 personnes. Donc, si cela vous intéresse déjà, écrivez-nous rapidement pour réserver, pour faire partie de ces 10 personnes que je vais prendre là pour les accompagner. C'est une formation, mais vraiment un accompagnement également. 4 jours de formation d'affilée. Ce n'est pas une formation pré-enregistrée, c'est une formation sur Zoom dont vous avez la possibilité de me poser à moi directement des questions, vos préoccupations
et tout ce qui vous préoccupe pour que je vous éclaire directement et vous accompagne sur votre propre business. Donc, c'est la semaine prochaine réservée si vous voulez faire partie de ces 10 personnes-là. Quant à moi, je vais vous dire une chose. Le business, ce n'est pas pour les bisounours. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent débarquer dans le business comme ça et puis par miracle, ou bien par la prière, ou bien... Non, ça ne marche pas. Le business, c'est des stratégies, c'est des outils, c'est des process. Il faut mettre des process en place, mettre des outils en place et vous allez utiliser ça concrètement pour monter le business. Par exemple, dans la société de transport, moi, j'ai pour objectif de faire maximum un mois dedans. Pour le moment, c'est moi-même qui gère pour comprendre tout le process. Et c'est toujours comme ça pour tous les business que je fais, je délègue et je passe à un autre business. C'est comme ça. Et tous ces outils-là, je vais partager avec vous. Donc, vraiment les amis, portez-vous bien. Et ceux qui vont rejoindre ce programme Réussir en Business, je vous attends de l'autre côté. Au revoir, portez-vous et à très... Portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, ciao.